2013, à savoir Mehi Yata, la gagnante officielle. Ça va toujours, Mehi? Oui, ça va très bien. Ohana, Ohana, bien sûr, qui veut dire famille. Famille signifie que personne. Non, je vais te faire le sort du gala, puis j'ai pas osé. Et puis également, bien sûr, Inariri Papara, qui est Miss Eva. Alors, les filles, est-ce que vous avez commencé ce week-end à être harcelées par les fans? Les photos, les photographes, tout ce qui est les autographes ou autres, des bisous, des machins, je ne sais pas. Dites-moi. Harceler, c'est bien fort hein, comme mot, mais. Ouais, mais j'aime bien. Ça fait toujours plaisir en fait de recevoir. De voir les gens qui veulent prendre des photos avec nous et tout. D'accord. Ohana, c'est pareil, t'as eu encore plus de sollicitations? Mais en fait, on a fait le départ de la Miss Univers samedi soir. Alors, c'était notre première sortie officielle avec nos écharpes. Et là, oui, il y avait du monde à l'aéroport pour les photos et tout ça. Mais ça fait plaisir, comme Mia t'a dit. Alors, les questions, justement, sont arrivées directement. Bon, Rina, excuse-moi, j'ai tes appuis, chouchou. Inari, oui. Dis-moi. Avec Miyata, on a eu l'occasion hier de participer à la remise des prix pour la course raid de Peinapo. On arrête de jouer sur les mots sur ce coup-là. Quoi. Il y avait pas mal de monde. Non, mais c'est rien. De monde, oui. T'inquiète pas. Beaucoup en même temps. Des félicitations. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui font probablement les malins dans leur voiture, mais vu l'heure à laquelle on s'est levé, forcément, on peut souper un petit peu. Hein. C'est normal, je te rassure. Des questions sont arrivées directement pour vous, les filles, et puis également pour Ayari, pour tout le monde. On va commencer par toi, Ayari. Ouais. Quand est-ce que les lauréates auront leurs écharpes? Alors, pour répondre, elles les ont déjà eues, hein, les gens. Voilà, elles ont leurs écharpes, elles sont avec elles. Elles sont déjà ceintes de leur titre. Elles sont scindées, en fait, le soir de l'élection. Voilà, exactement. C'est un peu ça. La question suivante. Que pensez-vous des filles qui ont manqué de fair play? Oula, vaste question. Mehiata. Eh bien, faut pas oublier qu'on est des êtres humains, hein, à la base. Donc, on a des émotions. Et qu'on peut comprendre. Bien sûr. On peut comprendre. Ohana et Inarere, vous en avez pensé quoi, alors, vous? Ben la même chose. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a forcément des déceptions, bien sûr. Par contre, faut pas confondre déception et mauvaise joueuse. Exactement. Ah, il y a une chose dont on peut être certain quand on arrive dans ce monde, c'est qu'un jour on va mourir. Et on n'a pas de certitude de gagner, on n'a pas de certitude de perdre, on n'a aucune certitude. Donc, faut juste se souvenir de ça. Alors, un message pour Maeva. Maeva, par contre, qui est déjà partie. Belle performance pour Maeva, que je trouve toujours classe et très charmante. Pas mal quoi. Et justement, une question, quels seront les projets pour nos dauphines? Alors les filles, alors ça reste directement à toi, Ohana, et puis également à Hina Lédé, vos projets. Alors les photos, bien sûr, voilà, la représentation. Je pense qu'avec l'ouverture du Heva, on va sûrement être sollicité pour les soirées du Heva, j'espère en tout cas. Et puis après, on verra avec le comité qu'est-ce qu'ils nous ont prévu. C'est vrai qu'en général, c'est des plannings super chargés, quoi. Oui. On est d'accord. Miss Tahiti 2013, Ohana Hubert, deuxième dauphine de Miss Tahiti, et puis également donc Mademoiselle Inarere Papara, qui elle est la Miss Eva 2013. Alors les filles, réveille ce matin à quelle heure? Alors je vais pas vous cacher, 6h15 pour moi. 6h15, bon ça va, t'as fait une grasse mat quasiment encore. Hein. On est d'accord. Ohana. 6h. 6h30. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, c'est toi qui t'es levé le plus tôt, Yari? Oui, de tout le monde, oui. C'est moi, c'était, je sais même plus, 5h15. 5h15. Oui, quart. Moi, j'habite la presqu'île. Hein. D'accord. En tout cas, et franchement, pas mal, fille, parce que vous avez l'air plutôt fraîche. Hein. Merci. Malgré la fatigue, c'est cool. Pourquoi les filles? Moi, j'ai pas l'air fraîche. Tu t'as l'air super frais, mais toi, t'es pas Miss, mon chouchou. Ohana, es-tu célibataire? Lol, vous êtes toutes belles. Alors, faut dire qu'au départ, pour Miss Tahiti, ils avaient prévu de prendre que des moches, puis ils se sont dit, tiens, les belles, ça sera mieux. Ohana, célibataire ou non? Alors non, je vais pas vous cacher, je suis en couple. Ouais, ou alors t'es très très proche de ton frère. Bon allez, histoire que tout le monde fasse la série, allez pour tout le monde pareil, Mehi Yata. Oui, mon cœur est pris, mais j'oublie pas mes objectifs. D'accord, qui sont? Miss France. Miss France, bien sûr. Ça c'est une réponse de Miss, j'adore. Inarine. Ben, je suis déjà prise. D'accord. Et Yari? Moi aussi, ça fait 11 ans maintenant. D'accord. Non mais je lui posais la question, sinon après il va faire le jaloux encore. Et moi alors, pourquoi personne me... Ça va pas du tout.
Nous avons la chance d'accueillir Meyata Riaria, Miss Tahiti 2013, Ohana Hubert, deuxième dauphine, et puis également Inare Papala, qui est Miss Eva 2013. Alors, des messages arrivés directement également par Facebook, Énergie Tahiti officielle. C'est Stéphanie qui nous dit bravo à notre nouvelle Miss Tahiti, c'est tout. Mouria et spécialement Papetoai qui te félicite. Elle, pourquoi je dis ça? Bravo, bravo, bravo encore pour la suite. Tu peux compter sur nous pour te soutenir. Bisous, bisous et vive la Miss Tahiti 2013. Et puis, Calais Bavard rajoute également excuse, je disais que tu savais pourquoi je disais Moria Papetoai. Oui, tu sais ma famille. D'accord, ma famille. Très bien. Il y a Eymana qui nous dit combien mesure-t-elle? Bon, alors voilà, taille pour tout le monde. On va commencer par toi, Meriata. Donc, je mesure 1m78. 1m78. 1m65. 1m65. Et 1m65. D'accord. Alors, on a deux 1m65 pour Anna et puis Inarere, et puis Meriata qui est la plus grande. Oui. Allez, arrête de faire ton jeu. Combien tu mesures? 1m87. 1m87, ça va. Oui, je confirme, il est plus grand que moi, ça m'énerve d'ailleurs. Il y a Laure qui nous dit félicitations et bonne continuation pour la suite, ainsi qu'aux deux dauphines. Merci. Ala Paris qui nous dit toujours Stéphanie, donc très jolie la Miss, et elle fait plus Vaini Tahiti que Inarani, à part qu'elle nous a bien représenté. Merci aussi à Inarani pour tout. Dominique qui nous pose une question: est-elle célibataire? Sinon, je peux la rendre heureuse, morte de rire. Quoi, j'ai posé une question, lol. Bon, bah écoute, hein, Dominique, t'as loupé un épisode, donc je vais répondre hein, pour les filles. Non, il n'y en a aucune de célibataire. C'est con hein, ce qui t'arrive. Il y a BGDoll qui nous dit bravo, on savait tous secrètement que c'est elle qui allait gagner. Bravo à toutes les candidates, vous êtes très belles. Merci. Et Hona Metua, bonjour à toutes les Miss. Est-ce que le track est présent tout au long de la soirée ou la pression retombe-t-elle au fil des passages? Non, pas toi, pour une fois, on va faire le contraire. Il n'y a pas de raison, attends, sans déconner. Inarere. Oui, non, le track est présent à tous les passages. À tous les passages plutôt, d'accord. Oui, oui, oui. Ohana. Alors moi, j'avais plus le track au début, mais après, j'ai vu que ça passait tellement vite, donc il fallait profiter de chaque minute qu'on avait sur scène, donc... Yes. Et alors, Meriata? Également pour moi, donc le track, c'était au tout début de la soirée. Et une fois sur scène, avec les encouragements de tout le monde. C'est exactement ça, le plus difficile en fait, hein, comme on en parlait il y a quelques temps, c'est de se lancer et faire les premiers pas sur scène. Oui, après ça roule. Oui. Et après vous êtes tellement dans votre monde, parce que c'est vrai qu'en tant que spectateur, on a tendance à trouver des temps morts. Hein, faut être réaliste, entre les intermèdes, les machins, les trucs, mais les filles en coulisses, c'est le pas de course. Le temps de se changer, refaire le maquillage, refaire les coiffures, les bijoux, les machins, les trucs, ça va à une vitesse folle quoi, ça en fait. Hein. Super vite. Donc une impression de... Miss Tahiti, à savoir Meriata, Ohana et puis également Mademoiselle Papara. Ça va toujours les filles? Oui, toujours. Yes. Bon, nickel. Alors, une question que je vous ai posée hors antenne, peut-être qui peut intéresser les gens, parce que moi, je ne connais pas du tout, c'est Eyari qui va prendre la parole, le directeur artistique et couturier Miss Tahiti. Mais non, c'est monsieur, tu peux arrête-toi. T'es trop fort. Quelle polyvalence. On connaît bien sûr les fonctions de Miss Tahiti, première et seconde dauphine, et peut-être un peu moins Miss Eva. Alors déjà, tu me disais que ça n'appartient pas à Miss Tahiti. Oui, c'est un titre en fait qui est la propriété du territoire, mais il nous confie l'usage et la nomination de la Miss Eva lors de l'élection de Miss Tahiti. Mais c'est vrai que ça ne rentre pas dans les titres qui sont possédés par la société Miss Tahiti. D'accord. Alors, Miss Eva Inarere, quelle sera ta charge cette année? Oui, alors donc je participerai à tous les événements qui concernent le Riva, les danses, les sports. D'accord. Et bien d'autres choses. Socioculturel alors. Oui. D'accord, intéressant quoi. Et donc Ohana, comment tu abordes toi cette année finalement de règne? Parce que la seconde dauphine de Miss Tahiti, est-ce que tu es un peu anxieuse ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout anxieuse. Plutôt, enfin, je suis déjà très contente d'être sur ce podium. Ouais. Et puis, ben, j'espère que je pourrai faire beaucoup de choses, assister à beaucoup d'événements. Et pourquoi pas faire une élection internationale. On verra.
T'inquiète pas, on compte sur vous sans aucun problème. Mais il y a ta même question, a priori pas du tout stressée, toi, à la cool. Bien au contraire, je suis impatient de voir la suite. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au gala, évidemment, le soir du gala, avec à peu près 500 VIP, hein, grosso modo, 600 même, clairement, c'est un beau chiffre, on a ouvert au public un vote. Le vote correspondait à l'élection de la quatrième personne qui sera sur le podium, on est d'accord. A priori, c'est toi, Mehiyata, qui a été élu, donc tu avais quasiment ta place pour la finale depuis le début de la soirée, c'était ça. Oui. Donc ça. Finalement, t'aurais pu tomber de scène, t'aurais pu faire n'importe quoi, ça aurait. Non, c'est quand même la dernière soirée de l'élection, donc pour moi, j'avais vraiment envie de m'amuser, m'éclater sur scène, d'autant plus qu'il y avait du monde présent à la soirée, donc pour m'encourager, donc il fallait quand même que je donne un retour. Bien sûr. Voilà. Et il y a eu combien de personnes justement présentes à la mairie de Papeete vendredi soir? On avait fait ça le con quand même. Donc comme il y avait 3200 sièges, on avait dépassé 3000 personnes comme l'année dernière. C'est vraiment devenu un moment populaire que les gens apprécient. Et Miss Haiti a regagné ses lettres de noblesse avec brio, je pense. Génial. Alors pas mal de réponses, plutôt de petits messages qui viennent d'arriver directement au 71-71. Mehiyata, Miss Haiti 2013. Et j'ai cru en toi pour Miss Haiti et j'y crois pour Miss France. Gros bisous de ton super fan H. Merci, Remoana. Ah, je t'embrasse. Tu sais qui c'est alors? Oui. C'est ton chéri? Non, du tout, c'est un fan. D'accord. Mon premier fan. Pour nos Miss, vous êtes toutes belles et à chacune un grand faitoito. Et merci pour votre simplicité et votre sourire. Ça, c'est mignon. Mehiyata, comment trouves-tu Superman? Lol, bonne journée. Alors, le film ou le fan? Le film. D'accord. Je suis allée voir Man of Steel. Yes, alors hier soir. C'était super. T'as trouvé ça super? Ouais. Moi, j'ai une super question parce que je ne l'ai pas encore vue. Est-ce que Lois Lane, elle est aussi conne que dans les autres épisodes? Non, parce qu'il faut être réaliste, elle est stupide là pour. Je veux dire, tu lui mets une paire de lunettes, elle arrive pas à reconnaître Superman, quoi. Mais qui ça peut être, dis donc? Non, mais arrête-toi, elle était niaise. Non, là, elle était quand même plus intelligente ou. Ben, c'est-à-dire que déjà, Superman, il n'est pas journaliste. Il est journaliste qu'à la fin, en fait. D'accord, donc, très bien. À la fin, donc elle sait que c'est Superman. Ok, très bien. Remarque, en même temps, je dis qu'elle était un peu conne, quoique en même temps, elle kiffe un mec qui met son slip à l'envers. Forcément, c'est un peu naze ce que je viens de dire, excusez-moi. C'est pas avec le nouveau, il a plus son slip. Non, c'est vrai, il a plus son slip. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, ça fait un scandale cette histoire. Hein. Il a plus son slip, les gens trouvent ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, ça c'est fait. Verra-t-on un jour un passage des candidates à Miss Tahiti en bikini ou en string Ayari? Non. On n'est pas là, c'est pas de la viande, c'est pas un marché, on est là vraiment pour montrer la beauté de la femme, qu'elle puisse s'exprimer scéniquement, que l'on puisse voir leur assurance sur scène, on n'est pas là pour faire de la vente. Alors a priori t'as du fan, hein, Mehiyata, elle est géniale, notre Miss à l'aise en public, parle bien tahitien, elle présente bien la météo, brillante, responsable car elle a déjà un travail, wow, elle a plusieurs atouts en plus de sa beauté. Good luck, Mehiyata. Gros bisous de tout cœur avec toi. Et c'est signé Poi. Merci, c'est très gentil. Très gentil, merci, ça me fait plaisir.